Insouciants, ces trois adolescents testent la fragilité de la glace, une pratique interdite qui tombe sous le sens. On n'a pas le droit de nager dans des espaces publics, mais c'est un peu la danger à toi-même. Tu fais le choix si tu veux faire ou pas. Je pense qu'il y a une interdiction générale en fait de marcher sur les lacs gelés. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de dérogation prévue, à mon avis. Cet autre amateur de glissade s'amuse à tester sa bravoure. D'autres ont eu moins de chance. Ce jeudi, deux enfants sont tombés dans le marais du Wills, mais ils ont été sauvés par un miracle. Un groupe de quatre femmes qui passaient par hasard là pour la première fois pour aller à leur travail ont aidé les deux garçons à sortir de leur situation pénible. Ils les ont amenés dans un local pour les réchauffer en attendant les secours médicaux. C'est la première fois que les pompiers sont appelés pour ce genre de situation cette année. Ils rappellent qu'il est interdit de patiner, mais donnent certains conseils si vous êtes témoin de ce genre d'accident. Si vous voulez aider quelqu'un qui est tombé dans l'eau, surtout ne vous engagez pas sur la glace. Essayez de trouver une branche ou une planche pour venir en aide à la personne. Côté Bruxelles Environnement, on essaye de prévenir la population de ce genre de comportement dangereux. Dans les endroits où ça peut être problématique, il y a des panneaux qui le signalent. Au niveau du marais Wills, il y a notamment le fait qu'il y a une clôture qui est quand même assez haute et donc ces jeunes l'ont malheureusement passé pour aller s'aventurer. Et donc cette mésaventure rappelle que c'est vraiment une question de sécurité, qu'il ne faut pas s'aventurer sur les plans d'eau. Au contraire de cet oiseau, les êtres humains ne sont pas aussi légers. Mieux vaut dès lors rester sur la terre ferme pour une petite course ou glisser sur une luge pour rester en sécurité.